Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors, première chose, j'espère que vous avez passé une super rentrée, surtout pour ceux qui ont l'agenda de Poney Zoé avec eux. Pour ma part, je l'ai aussi emmené au collège. Et puis ben aujourd'hui du coup je vais vous faire une petite vidéo de rentrée. Vous inquiétez pas, je vais pas vous emmener avec moi jusqu'au collège. On va juste faire un petit tour des champs, voir un peu tout le monde. Il y a aussi Capsule qui a 3 mois, du coup on va s'occuper un peu d'elle. Bref, on va faire plein de petits trucs, ça va être génial. Avant d'aller voir les poneys, je nourris Chicago qui a d'ailleurs 4 mois. Donc les autres de la portée ont tous été placés sauf lui. Donc du coup on le garde, il s'est bien installé à la maison. Bref, là il est tranquille, on va aller voir les chevaux. Là, j'ai sélectionné quelques produits pour pouvoir aller m'occuper des chevaux au champ. Donc, j'ai sélectionné des produits pour pouvoir aller m'occuper de Capsule, de Ify, de Ushi et peut-être un peu de Divix si jamais on le trouve. Je sais pas trop où il est en ce moment. De l'anti-mouche. Mes petits produits préférés de chez Raven. Donc, du coup, le Easy Shine Intense, les Mouchines Gel, le Pediflex, les petits Easy Shine Wipes, des bonbons, ça c'est indispensable. Une petite paire de ciseaux parce que même si l'été, on coupe pas trop la crinière. Pour faire le passage de tétière, ça sera plus propre et vous verrez, il y en a besoin. Mes petites brosses de chez Kentucky qui sont trop bien. Un petit peigne. Une petite brosse magique. Et un cure-pied. Allez go, c'est parti, on est prêt. Il reste juste à aller chercher un petit e-col pour Capsule et après on y va. Je prends le petit pour Capsule et un grand pour les filles. Parce que sinon elles vont venir là, vont nous embêter. Je vais vous montrer une petite nouveauté. Donc c'est une mangeoire, mais c'est une capsule mangeoire. Puisqu'en fait c'est la seule à pouvoir manger dedans, c'est une mangeoire pour poulain. Il y a donc une barre ici et elle mange soit d'un côté, soit de l'autre. Et en fait il faut avoir un tout petit nez pour pouvoir rentrer dedans. On l'a mis assez haut pour que Divix ne puisse pas manger dedans aussi, parce que sinon lui il a un petit nez aussi. Mais du coup Ushi Ify ne peut pas manger dedans parce que sinon en fait elle venait toujours lui piquer sa nourriture. Comme ça elle peut manger toute sa ration. Facile de les coller, on est souvent deux, j'ai besoin de l'aide de ma maman, mais on fait ça toujours dans la douceur, parfois, enfin, on essaye que ce soit toujours elle qui vienne vers nous plutôt que le contraire, et franchement, je peux pas vous donner de meilleurs conseils que de ne pas laisser le licol à votre poulain en ce moment parce que ça peut vraiment être super dangereux. Donc là, en ce moment, comme on peut le voir, elle est en train de perdre son poil de bébé, surtout autour des yeux, un peu là, un peu sur les fesses, et là, elle en a encore pas mal, mais en dessous, elle est quand même plus foncée, donc on verra de quelle couleur elle va finir, mais là, elle est vraiment en train de perdre son poil de bébé. Bébé. Vous l'aurez remarqué, mais elle a vraiment pas mal grandi déjà. Elle est plutôt grande, elle fait déjà bien plus que la moitié de la taille de sa mère. Nous on trouve que c'est vraiment une super belle pouliche. Elle a une super belle sortie d'encolure, une très belle épaule, un super dos par contre. Vraiment, je sais pas si. Enfin, c'est limite une petite table basse son dos. Après, elle a une super belle croupe, très belle cuisse. Elle a des aplombs nickel. Donc, franchement, elle est super contente parce que je pense que ça va vraiment être une jolie jument. Par contre, elle a un petit reste de poulain, c'est cette espèce d'énorme barbe là qu'elle a. C'est voilà. Et du coup, ben, je vais demander à maman si elle peut pas la couper un peu pour faire un petit peu plus propre. Okay.
right now. So hold on, hold on. We just gotta hold on, hold on. Maintenant, j'ai bien récompensé avec un petit coup de brosse douce parce que c'est sa brosse préférée. Capsule, elle adore tout ce qui est doux. Going cold, you're leaving out the door and say I don't know when I'll be home. Like needles in my heart, it's tearing me apart, just trying to find a light in the dark. I know that you're afraid, believe me when I say it's alright, we'll get by. Our colors fade away, I hope it's just a phase, I tell myself that we'll be okay. Donc voilà, je vais pas lui prendre les posters parce que là c'est la première fois que je lui prends les antérieurs, on va pas non plus aller trop vite. Par contre, je vais quand même essayer de lui toucher jusqu'en bas des boulets pour commencer un petit peu à l'habituer tranquillement. Passer avec tous les poulains 2-3 mois, mais Capsule elle a l'habitude de nous voir, elle a l'habitude qu'on vienne la voir, qu'on la chouchoute et tout. Alors du coup, bah moi je me dis c'est peut-être du temps de gagner pour plus tard, que je m'en occupe un peu. Je vais pas tout le temps, hein, mais je fais assez régulièrement quand même. Et puis elle aime bien aussi. Donc là je vais lui laisser son école, bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui laisse pas son école tout le temps. Là c'est juste parce que je vais aller m'occuper des filles, donc de Ushi et de Ifi. Et après je reviendrai la prendre pour essayer de la faire un petit peu marcher en main. Me. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. So hold on. Pour essayer de faire une petite séance de marche en main avec Ifi. Ce qu'on va faire pour essayer de lui apprendre à marcher en main, c'est dans un premier temps l'attacher à Ifi, parce qu'en fait Ushi, je pense que ça va vite la saouler si je l'attache à Ushi. Du coup on va l'attacher à Ifi parce qu'elle est un peu plus patiente. Et en fait moi je vais faire marcher Ifi en main et avec un peu de chance Capsule va suivre. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué de commencer à faire marcher les poulains en main parce que normal c'est pas naturel pour eux de marcher à côté de nous hein. Donc on essaye plusieurs techniques, là comme vous pouvez le voir c'est un peu compliqué, elle fait un petit peu sa tête d'une mule. Mais au final on a quand même réussi à lui faire faire quelques pas. Alors du coup pour nous c'était déjà très bien. On a dit on arrête pour aujourd'hui et on recommencera dans une ou deux semaines pour répéter un petit peu mais sans trop non plus la bousculer quoi. J'en profite que j'ai les licoles, les bonbons et la râpe pour partir à la recherche de Dimix.
moment, Guetta et Divix sont absolument collés. Et en plus, Guetta, c'est un gros pot de colle. Alors, que ce soit avec les humains ou que ce soit avec les chevaux, c'est un gros pot de colle. Et là, comme vous pouvez le voir, elle est tout simplement en train de me vider mon seau. Et c'est ce qu'elle fait très souvent. Sauf que, ben, après, elle fait le bordel partout et c'est pas hyper pratique. Divix y rentre quand même tous les soirs pour dormir avec Guetta. Mais là, on va en profiter pour lui mettre un petit coup de rap. Bon bah je crois que c'est mort, Guetta elle est en mode je suis jalouse de tout. Donc du coup ce sera ce soir. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas nous on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Et je vous fais tous de gros bisous.